Bonjour la VOD. Et nous sommes sur... Le maître du donjon de Nalbuk. La suite. On a déjà joué hors VOD. Et on a avancé un petit peu, comme ça je montrerai un petit peu l'état du jeu. Après quelques heures, et voilà. Et on va lancer. Et bonne nuit Kira, je peux dormir sereinement, oui. On va continuer du coup, je suis en train de développer le second étage de mon donjon. Et j'ai débloqué des raids à faire. Et aussi des espions qui me chopent des informations. Informations qui après me servent à débloquer des raids en fait. En gros c'est ça. Du coup c'est ça mon deuxième étage. Alors il faut savoir que quand j'ai joué un petit peu hors live. Et j'avais un souci, c'est que les gens qui allaient à l'étage pour se faire payer... Que j'ai mis une caisse, j'ai mis une banque ici, enfin une ma salle de trésor ici. Faut le torturer ? Eh, il aime bien être torturé, je crois. J'ai du coup aussi une prison maintenant avec des gens qui aiment être torturés dedans. Et du coup, j'ai fait une cantine ici, une petite salle de pause parce que ceux qui venaient ici se faire payer, ils faisaient la queue déjà. Et ils avaient pas... ils avaient des... Oh putain, comment ça ronfle ! J'arrive pas à me concentrer. Et bref, ils avaient envie de pisser, ils avaient faim, le temps qu'ils faisaient la queue, c'était chiant, voilà. Donc, j'ai fait une salle au trésor plus petite avec plus de guichets et plus proche des escaliers pour que ça se passe mieux. Mais il y avait toujours embouteillage, donc j'ai fait tous les trucs dont ils avaient besoin en haut. Et j'y ai fait une prison parce qu'il a fallu que je fasse une prison. Et j'ai eu un raid où j'ai dû emprisonner des gens. Et là, je crois que mon bourreau, il aime bien être torturé. Donc, il a l'air d'être content. Je crois que c'est lui qui n'a décidé ça. Et du coup, voilà, je peux torturer des gens pour après... Je sais plus pourquoi, déjà. Sûrement avoir des renseignements. Maître, nous avons reçu une lettre du club des nécromanciens incompris. Ils sont indignés que vos sbires ne meurent plus de maladies et de blessures. Ils disent qu'ils ont perdu une source importante de cadavres frais et vous menacent d'une incursion. Ah, faut que je tue plus de gens ? Mangez leurs morts ! Mangez vos morts ! C'est ferme ! Aïe, mon pied ! Et s'ils nous attaquent, je vais recruter des nécromanciens indépendants pour leur pourrir la vie ! Oh oui ! Oh oui, ça c'est stylé ça ! Moi je veux des magiciens, je disais que je voulais ça ! Nul, donjon, nul ! Ouais, y'a quelqu'un qui a dit que mon donjon était nul ! Et du coup voilà, ici j'ai mis du coup des endroits pour que les nains fassent dodo, sache que j'ai plus de nains maintenant parce qu'ils gèrent mon... Il gère ma salle des coffres. Et du coup, là, j'ai une incursion de nécromanciens. Mais est-ce que je peux engager des nécromanciens, moi? J'aimerais bien. Oh, ils ont pas de vie, regardez, ils ont pas de vie. Et j'ai mis aussi des pharmacies dans les salles de dodo. Mais il faut que... Ah, c'est bon, ils ont guéri. Et il me fallait un pharmagicien pour qu'il se fasse soigner. Mais en fait, il n'y a pas de vrai... Il n'y a pas de vraie, comment on appelle ça, de vraie infirmerie. En fait, c'est juste une petite armoire qu'on met dans le dortoir, quoi. Avec la l'air vide, la salle du trésor. Alors oui, la salle du trésor, elle est toujours vide, même quand j'ai des sous. L'incursion du club. Il faudrait peut-être que j'en ai beaucoup, je sais pas. Mise en échec. Mais je peux en mettre dedans. Leur va si bien. Deux sbires morts, ça c'est chiant par contre. Josiane. C'est vraiment signé par Josiane tout le temps. Du coup, ils sont tout pas bien. Bon, bah, ils vont aller... J'ai aussi normalement plus de gardes. Ça, c'est des humains, ça, c'est des elfes, ça, c'est des orques. Des nains et des gobelins. Je décorais un peu plus. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que mes trucs soient bien. Est-ce que si c'est nettoyé? Oui. Mais j'ai quand même des gens... Alors, j'ai vu ça quand je jouais en live. J'avais ici... J'ai vu ça la dernière fois. Un sbire qui s'entraînait et qui s'entraîne jusqu'à être ultra déprimé et qui après du coup s'en va. Plutôt que d'aller dans la salle de jeu qui est juste à côté par exemple. Non, il continue à s'entraîner. Donc il y a des trucs que je comprends pas trop. Parce qu'on peut pas leur dire de cesser une activité. Contrairement à d'autres jeux du genre. Oui, ma salle de trésor est un peu vide. Faut que je recrute un nécromancien et ça c'est cool. Comme ce que je suis dans Diablo. Vous savez le jeu auquel j'ai pas pu jouer beaucoup? Parce que ça buguait. Bah j'étais des grands magiciens. Alors ça c'est voilà, ça c'est les forts magiciens, ça c'est les espions. J'en ai engagé plein parce que j'avais une quête trop longue où il fallait que j'ai 50 points d'espionnage. Mais vraiment en avoir 2-3 points ça me prenait 10 minutes. Donc bah j'étais là, bah ok, je vais prendre plein d'espions. Et ça a mis du temps, ça a mis vraiment du temps. Ok. Nécromancie. Masochiste hyperactif. C'est un drôle.
Ah, du coup, il serait un peu, genre, un peu squelettique. Je suis motivée, je vous jure. Nécromancie, c'est mon premier choix d'études. Enfin, après sortier, et cultiste, et rémouleur. Mais je suis motivée, je vous... Je peux en arriver. C'est un peu la branche de secours, nécromancie, du coup. Vous avez recruté un nécromancien, maître. Il dispose des patentes pour exercice salarié de la nécromancie en donjon accrédité. Je vais montrer à ces embaumeurs de viande avariée ce qu'est un vrai sorcier maléfique. Et puis nous pourrons valoriser un peu leurs cadavres. Je n'aime jouer qu'avec les vivants. Les morts ne crient pas. Je ne sais pas s'il est bien prudent de nous attaquer à une guilde aussi puissante. Silence, fiente de Dalmorg. Fiente de Dalmorg. Et du coup, comment ça se passe pour les raids? Les raids, on a une sorte de monnaie, c'est là. Et du coup, avec cette monnaie, je peux déclencher des raids à des endroits différents, mais il faut que je fasse attention à ne pas trop spammer une même faction. Sinon après, eux-mêmes m'éclatent la gueule. Même si en général, c'est quand même moi qui gagne. Mission improbable. Oh, j'aime bien le côté mission improbable. Mais moi, il faut pas que je fasse trop de trucs chez les elfes, parce que je me suis fait beaucoup mal voir des elfes. Je vais faire une mission improbable. Ah, c'est la PDF. Ah, mais la PDF, ils disent qu'ils allaient se faire empaler en vrai. On s'en fout de la PDF. Ah, c'est une mission pour les espions, je crois. Attendez, du coup, si je mets un espion... Ah, je peux pas les mettre, les espions. Ah ouais. Bon, bah, je vais mettre un comme ça. 27 de taux de réussite. Un comme ça. 30, beaucoup. Un comme ça. 34. 38. Lui. Ah bah dis donc. Ah c'est pourri, mais il me faut des niveaux 3. Mais le problème c'est que mes... Les gens ils s'entraînent et après ils se barrent et ils m'abandonnent. Du coup je suis dégoûtée. 43. Ça c'est 44. Des fois oui c'est bien de mettre des artisans, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi mais ça marche mieux. 44. 44. 44. Le balayeur 45, non mais what the fuck. Ah il faut peut-être des elfes. Mais ils sont mes elfes. Ah non. Mais je vais envoyer, mais il faut que j'envoie des... Si j'envoie des balayeurs et tout, ça va me manquer en fait. J'en ai qu'un balayeur. Ah mais c'est parce qu'il est niveau 2 peut-être. Trésorier nain, 44. Bah je vais envoyer mon balayeur hein. Il fait 45 de taux de réussite. Mais 45 c'est trop peu, je peux pas faire ça en fait. Ou alors je tente quand même. Ou alors à la place de ça, je vais mettre un cuistot. C'est pas mieux. Ça. Bon. Bon, allez, je tente. J'ai aucune chance de l'emporter. Enfin, j'ai 45% de chance, donc c'est zéro pour moi. Bon, on verra, hein. Faut peut-être que je l'agrémente, ma salle d'entraînement. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'entraînement pour tout le monde. Je crois que ça a l'air d'aller. Ouais, il faut plus de trucs à l'épée, j'ai l'impression. Attendez, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, là on est pas mal là. Là elle est bien agrémentée. Peut-être qu'il faut qu'elle soit plus jolie. Si je mets des petites tombes. Des petites tombes décoratives. Attendez, ça je vais mettre là. Et les petites tombes je les mets là. Ça a pas l'air d'être fou hein. Je le mets mais juste histoire de... Ok. Et du coup, j'ai un donjon de papier niveau 8. Ah, c'est pourri, donjon de papier, je pense. Et du coup, mon auberge, je trouve qu'elle a toujours vachement de monde. Donc ça semble bien, mais je peux pas l'améliorer, je peux pas l'agrandir. C'est trop chiant. Oh, par contre, elle est sale. Oh putain, ah non. Ah non, c'est ça. Sur TripAdvisor, je suis sur... Tu as 2 étoiles et demie. Sur 5, ça semble pas fou, hein. Personne dans la queue, 12, 13. Mais oui, c'est ça, hein. Mais je peux pas l'agrandir. Là, je suis kéblo partout. Peut-être que j'enlève un truc comme ça pour mettre une table. Ça, c'est de la déco, ça, en fait. C'est pas, hein.
peux rajouter un comptoir standard. Ah, mais il faut deux comptoirs. Oh, ça va être compliqué. Deux comptoirs. Attendez, je vais essayer. Peut-être que s'il y a deux comptoirs, ça attendra moins. Je vais tester un. Avec du coup un autre tavernier. Ah, ça va être chaud. Attendez, ça aussi je le mets là. Ça je le mets là. Je peux pas. Parce qu'il y a la table qui gêne. Mais la table, si je peux la décaler un peu. Non, je peux. Ah, putain, je peux rien décaler. Quel enfer. Ah, ça je décale. Ça je décale. Ah ouais, je peux pas. Mais pourquoi je peux pas là? Bon bah je vais pas décaler en fait. Et du coup le comptoir... J'avais dit que je déplaçais ça. Ah mais ça je peux le mettre contre le mur. Ah putain, je vois rien. Ça gêne un peu mais bon... fais ce que je peux. Hein. Et là je peux pas. Là ça marche toujours pas. Mais quel enfer. Je mets où mon comptoir? Je peux peut-être le mettre ici. Et ça je mets ça là. Mais je peux rien mettre ici, mais c'est chiant. Bon, je vais attendre que tous mes déplacements soient effectifs. Peut-être que je pourrais. Peut-être que tant que c'est pas fait, ça bloque. Et sinon, je mets ici, peut-être. Ah, peut-être ici, ça peut être pas mal. Et ça, je le foutrais genre là. Quelle galère. Moi, je veux l'améliorer parce que c'est mon revenu, quoi. Non. J'ai une mission, mais je vais attendre. Allez, déplacez les tables. J'entends vomir partout, ça rend ouf. Je pense qu'il me faut aussi des gens pour nettoyer, parce que je crois que j'ai plus personne. Là, j'en ai plus qu'un. Il est parti en raid. Ah ouais, non, mais du coup, mon truc, il va être tout sale. Attendez, j'embauche. Un niveau 3, c'est bien, ça. Ok, c'est fait. Ah mais c'est pour ça que ça passionne de fou. C'est parce que j'ai qu'un seul comptoir. Avec qu'un seul mec. Qui sert qu'un seul truc. Comptoir standard. Une commande à boire et à manger. Une commande à boire et à manger. Prendre de la bière de mauvaise qualité par défaut. Ah, humain et gobelin. Ah sinon j'en mets... Ah d'accord. Ah, donc j'ai pas besoin de celui-là en fait. Celui-là, je peux le virer. Non. Comment je le vends? Voilà, et je mets ça à la place. Je mets un comptoir standard. Et après... Sinon, faut que je mette ça contre le mur, genre ici. Mais il y a toujours un truc qui va gêner. Ah, oh, c'est chaud. Imaginons que je déplace ça. Ma table, genre ici. Est-ce que je peux mettre genre un comptoir ici? Bah non, ça va toujours gêner. C'est chaud. Je vais annuler, je vais juste changer ce comptoir. Cours de construction. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça encore? Ah! Ah, c'est bon, j'ai changé! Humain. Bah non, j'ai pas changé. Merde! Comment ça en cours de construction? Là, faut que je recommence. Bon, je mets ça là. Le reste, on verra plus tard. Je veux plus de nécromanciens.
Il faut faire grandir notre activité, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour notre core business par une innovation disruptive. Bah les deux carrés, j'ai l'impression que c'est important. Ah, je vais pouvoir placer des éléments extérieurs. Oh nice, attendez, je vais faire ça, on va continuer avec notre auberge après. À base d'humains, augmente les chances que les nécromanciens produisent de plus grandes qualités de compost. Oh. D'accord, donc je mets ça là. Ok. Mets ça où ? J'ai mis ça où ? Ça c'est quoi ? Tombe compost. Stocke les cadavres. J'en mets 3 hein, de chaque, non ? Souvent ? Allez. Je peux enfin mettre des décos, trop bien ! Petit arbuste, un petit peu effrayant. Mais juste pour moi, j'ai pas d'idée. Hein. Je mets des trucs un peu au pif. Hein. Je sais pas si ça se voit. J'ai pas grand chose. Oh, je peux mettre une fontaine! Mettre une fontaine. Avec des petits bancs. On peut être nécromancien et aimer prendre l'air, hein. Ça n'empêche pas, en fait. Ah voilà, des petites tombes ici. Des bisous Limbi. Oh Limbi, pardon, j'ai nié Limbi. Comme si j'avais le nez bouché. Des bisous. Mon dodo. Validé. Oh, j'ai dépensé 2000 balles. Attendez, je me rends compte que le chat il gêne un peu des trucs. Au moins je cache. Le niveau et tout. Oui du coup nous dit Sam. Oh, je suis plus de... Alors ça, voilà ça, ça fait venir des humains, des nains, des drôles, des barbares, des orques, des gobelins. Plus il y en a, plus ils sont nombreux. Ça me fait venir des clients en fait. Et ça fait venir des nains, des humains, des elfes. Donc j'en ai mis un de chaque. C'est vrai que ça m'arrangerait de pouvoir mettre deux comptoirs. Mais y'a personne dedans par contre. Et toi t'es à travers, t'en vas pas du tout. Tu as lu le livre de nécromancien? Y'en a qu'un qui s'appelle comme ça, un livre de nécromancien? Je crois qu'il y en a plein qui s'appellent comme ça, non? Peut-être pas, je sais pas. Maître, nous avons construit un tas de compost. C'est une des nouveautés du salon des équipements maléfiques de Waldorf de cette année. Revac, c'est super. Encore un gadget pourri pour un tendant feignant. Pas du tout. Regardez, c'est génial. Fini les mauvaises odeurs. Et en plus, on pourra s'en servir pour faire pousser des légumes. Ouais, alors, je vais bien séparer les trucs qu'on sert aux clients et ma propre bouffe, si ça ne vous fait rien. Moi, les navets au jus de cervelle, c'est pas trop ma cantine. Et pourtant, je suis pas du genre à renacler sur les vieux fromages. Faudrait que je mette des barrières sur les côtés, ce serait plus joli. Là, par exemple, ça n'a pas trop de sens. Juste une. Quoi ? Maître, nous avons reçu une nouvelle missive de la CNI. Les nécromanciens promettent de faire de vous un zombie nettoyeur de toilettes à leur siège de guilde. Ils y viennent. Nous pouvons repousser tous leurs assauts. J'ai bien peur qu'ils ne montent en gamme et n'invoquent des morts-vivants de plus en plus dangereux. Dans ce cas, nous allons prendre les devants. Qu'on lance un cercle d'invocation pour canaliser les flux cosmoploubiques sur notre carrefour tellurique. À moi les armes de nécromancie massive. Je vais réfléchir à la façon la plus sadique d'employer cette nouvelle armée maléfique.
Il faut que j'invoque des morts vivants. Comment je fais ça? Placer un cercle de nécromancie à l'extérieur. Oh. Oh. Peut-être ici, genre. Très classe. Un classe, je sais pas. Ah, c'est tout petit. Non, je peux m'emmerder en fait. Hein. Bah, je mets le cercle ici. Voilà. J'entends dormir alors qu'ils sont super... Ah non, ils sont là. Bah ça m'énerve, quand même. Ok, j'ai mis un cercle de machin. Bah c'est un cercle de nécromancie. Bah il est en cours. Invoquer 3 morts vivants, du coup c'est ici que je les invoque. Bien. Il y a une option anti-SMR dans le jeu, c'est vrai que ça me saoule un peu. En fait, faut que je baisse les bruitages, tout simplement. Je vais le faire. Effet sonore, ça doit être ça, hein. Ça a marché, on entend vachement moins. Quoique. On entend quand même vachement. C'est vrai que ça a tendance un peu à me saouler aussi. Un chouille. Il l'a mis le cercle, oui hein. C'est bon, je peux envoyer un cours de construction. Non mais construis ça en premier. Espèce de nulos là. On s'en fout de ça. Le cercle d'invocation est prêt, maître, comme vous l'avez demandé. Les cromanciens transportent des cadavres vers des tombes pour les stocker. Les cromanciens, vous pouvez commencer à recycler. Ouais, je veux. Ah, c'est ici? Je peux pas passer là, je peux rien faire. Ah, mais voilà, là il s'en va. Pourquoi tu t'en vas, toi? Mais je peux pas. Ah, c'est là. Donc je sélectionne... Ah d'accord, recyclage. C'est pile pas derrière moi, il y a un petit topio recyclage. Attendez, je vous montre. Merci. Donc je peux invoquer un zombie. Parfait. Par les 9 secrets de Tzinch, qu'on lève une armée maléfique. Et mon pouvoir sera sans limite. C'est tout ce que je peux, hein. Il y a trop de poussière ici. Pourtant, j'ai engagé des gens pour nettoyer. Alors attendez, il y en a un qui est parti. Je crois que j'ai un cuistot qui s'est barré, je sais pas pourquoi. Sinon, on va passer notre journée à jouer du plumeau. Et puis, c'est mauvais pour les bronches et ça va ruiner le pinard. Là, je comprends pas tout, là. Et je peux vendre un peu. Et là aussi, je peux vendre un peu de cadavres. Je pense que je veux pas toujours invoquer, donc on peut vendre... On peut vendre 40%. On va faire ça, hein. Je la vois pas trop les ventes auto- je les vois pas trop les ventes automatiques, mais bon. Du coup, j'ai un cuistot qui s'est barré, il fait chier. Je sais pas si c'est un cuistot orc, je crois que c'est un cuistot orc. Là, j'ai un humain. On reprend un, hein. Mais voilà, ils se barrent, ils sont vénères, mais je sais pas vraiment pourquoi.
là, ici. Ici, j'ai un humain aussi qui prépare. Je vais voir en haut. J'ai combien de pistolets? Attendez, je vais regarder. Oh, je suis en recrutement. Bien. J'en ai que 3. Ah, c'est pas beaucoup. J'ai 3 cuisines, mais bon. Il en faudrait un quatrième au moins. Je vais prendre le moins cher. Ça devrait être un elfe. Voilà. Ah, le Necronomicon! Ouh, je le connais de nom, mais bon. Je suis pas... Je suis pas au fait de... du lore de Lovecraft. Il me semble que c'est Lovecraft et je suis pas... Je dois lire un truc, ce serait autre chose. Putain, j'en peux plus d'entendre ronfler. Mais je les ai... C'est peut-être les voix, hein, en fait. Ça m'énerve, premier degré. Mais les voix, le problème, c'est... Attendez, je vais baisser à fond. On va voir si c'est ça. Clairement pas ça. Peut-être que ça marche pas après. Et ça, je vais baisser à fond. C'est ça. Mais je vais en mettre un peu, je veux quand même avoir les torches et tout. Font chier. Voilà, lui par exemple, vous voyez ? Le problème, humain. Il s'ennuie mais il pourrait être... Bon ça va. Mais celui que j'avais vu, il avait sa barre de fun qui était baissée vraiment au, bah, le, au plus bas possible et puis il a jamais daigné aller, aller faire une pause alors qu'il pouvait, alors qu'il avait de la place et tout. Bref, faut que j'invoque des morts vivants. Comment je fais du coup ? Ah bah non mais c'est mon nécromancien. Mais il le fait ? Il s'y fout. T'attends quoi ? Mec, t'attends quoi ? Prends sa douche. Tu vas aller bosser après ? Ah non, il va bouffer. Bah c'est gentil. Tu vas bosser après ? On en engager 2-3, je sens. J'ai plus de thunes, je peux plus rien engager. Alors mon raid, est-ce qu'il a marché ? J'y crois 0, hein. Victoire! Oh, nice! Récupérer le butin. C'était bien le butin? Grave en cours. C'est qui? C'est ceux qui reviennent? Ils font en grève? C'est qui la grève? Besoin de quelque chose? C'est 3 pièces d'or! Comment ça? J'ai pas de cellule. Ah, j'ai pas de cellule libre pour les nains! Ou j'en achète une. Apparemment ça aide un peu à calmer les revendications. Toilette qui pue. C'est lui pour humain, c'est lui pour drow. Merde. Il est content en tout cas. Et ben d'accord. Ben je vais être obligé de le... Il est où? Et je suis employé par l'Arbin. Au pire, j'attends. J'attends les revendications, hein. Ils vont se la... Ah non, mais non, mais du coup, ils... Oh non, mais c'est tous les nains qui sont chiants! Mais pourquoi? C'est quoi vos soucis? Bon, ils sont en grève, mais en vrai, ils font pas grève, ils vont bosser, alors je m'en fous un peu, non? Bah avoir des thunes, non mais je fais déjà, je revends déjà une partie de mes corps. Mais les autres, bah j'en ai besoin pour faire, ah voilà, pour faire ça. Oh c'est stylé la petite animation, j'aime bien. Elle est sympa, oh elle est sympa, j'aime bien. Elle est simple mais du coup c'est mignon. Regardez, c'est joli.
Ah, du coup, il erre. Emporter le raid, faire marcher les morts. Ah, let's go. On va voir ça. Je vais attendre que tous mes cadavres soient invoqués. J'en ai fait que 3. Mais non, mais hey, j'avais dit 4, hein. J'avais dit 5 même. Qu'est-ce que t'attends? Oh là là, elle m'a lâché complètement. Bon, bah, je vais faire le raid. Merde! Salut, Guiding! Oh, mais vos maisons de bar. Elles ressemblent à quoi? Faut peut-être que je mette le nécromancien, comme ça il vient avec ses zombies, c'est ça? Ça me paraîtrait un peu logique. J'envoie d'autres. Toi, non, je vais pas envoyer un cuistot, ça n'a pas de sens. Envoyer. Toi. Et si je mets plusieurs? Ah non. Attendez, c'était lequel que j'avais mis? C'était celui-là? 39. Ah mince! C'est qui le garnier? Ah c'est ça, 70. Si je mets ça, à la place je mets aussi un comme ça. Merde! 70, ok. Bon, 70 taux de réussite. On tente. Voilà. Notre raid maléfique est en route. Les morts sans repos contre les nécromanciens de Paco. Avoir un nécromancien. Mais je l'ai, il est juste parti en raid, ça va. Voilà, lui par exemple, il veut une douche. Qu'est-ce qu'il attend pour y aller? Devenu sataniste? Non? Je fais du management de donjon. Ça se voit que c'est bien. C'est bien un terme de mec qui a jamais managementé un donjon. Voilà, et là par exemple, il a envie d'aller aux toilettes, il pue et tout, ah il y va. Mais là, vraiment, la dernière fois, j'en voyais un qui le faisait jusqu'à l'épuisement et jusqu'à plus en pouvoir, enfin jusqu'à puer de fou et tout, bref. Trop chiant. Ici sur Genshin. Faire managementer un donjon sur Genshin, rien à voir. T'as juste une salle, encore. Tu mets des pièges et c'est tout. C'est pas ça un donjon. Ça s'appelle. Ça s'appelle rien. Hein. Ça s'appelle de l'urbex, c'est ça. Je te parle de donjon, moi. Ça va et toi? Ça joue à quoi en ce moment? Ça joue à Genshin justement? À Genshin. Bon, bah je referai bien la déco, mais j'ai plus de thunes. Donc j'aimerais bien voir si ma taverne me rapporte des sous. Oh, mais j'ai pas de tavernier. Mais qui est-ce qui fait le tavernier, en fait? Oh, j'ai pas de cuistot qui... Oh là là, quel enfer. Je peux pas assigner des gens pour faire des trucs. Ah, mais là, il y a des gens et ils sont dans mon... D'accord, bon. Oh, ils sont classe avec leurs tatous. C'est tatou. T'as pas installé Alexa dans les sanitaires? Dans le sanitaire. Ça fait quoi Alexa dans les shots? Ça tire la chasse à ta place? C'est bizarre, hein. Vous les humains, vous êtes bizarres. Hein. Genshin Snow Break. Containment Zone. Honkai Star Rail. MW3 Hardcore, je sais pas ce que c'est. Fortnite. Ah ouais, tu joues à plein de trucs. On va avoir de la musique. Oh. Eh, c'est pas con, j'avais pas pensé. Bon, voilà, là, je suis dans une phase où je dois juste attendre. C'est un peu dommage. Parce que j'ai pas de thunes. Et je peux rien faire de particulier. Je peux pas donner d'ordre à qui que ce soit. C'est ça qui manque dans le jeu, je pense. Modern Warfare 3 en mode hardcore. Ok.
Gravity Rush. Gravity Rush. Ça me dit quelque chose, ça. Oh, ça me gratte le dos de fou. Ah, mais c'est parce que j'ai une petite étiquette dans mon dos, là. Pile poil à cet endroit-là. Oh, c'est trop chiant. Attendez, je peux rajouter un truc. Prison. Ah. Canard. Accélère le processus de satisfaction des prisonniers. Draw. Ah, mais j'ai pas de thunes. Je veux bien y aller, hein. Je veux bien essayer, mais j'ai pas de thunes. 11,84. Je peux toujours ajouter ça en plus. J'ai quand même pas de thunes. Quoi d'autre? Salle de garde. Deux espions conduisent à l'information, débloquent l'accès au raid. Mais je sais, je sais. Trop bizarre que j'ai une notif en permanence là. Est-ce que mon raid il est terminé? Ah il est terminé! Oui, on a gagné. Vos troupes de non-mordes étaient spectaculaires. C'est le cas de le dire. Au sort d'un moment gagné 50 et j'ai 160. Ah, c'est tellement peu en thunes par contre. C'est pitoyable. C'est ça le jeune Hulbuck? Oui. Toi tu fais un truc à côté toi. Oui c'est ça. J'ai un succès. Dans la campagne, faites la paix avec le CNI. La CNI. Le club des nécromanciens vous a écrit pour vous remercier de votre dernier envoi. De quoi? Pour implorer pitié devant ma terrible attaque, tu... Non, ils disent que le spectacle de danse macabre offert par nos créatures était très divertissant et vous remercient pour votre geste d'apaisement. Ils ne vous ennuieront plus. Maléfices et tibias écrasés, c'est quand même une grande victoire que l'on célèbre mes prodiges nécromants. Et... C'est super, Zangda. Bon, bah le problème c'est que niveau thune, ça reste compliqué. Surtout que là j'ai 300 de frais. Oh là là, j'ai tellement pas de sous. Attendez. DRH. Ouais, d'accord. Ah, mais c'est vrai que j'ai peut-être des gens, des sbires qui me servent à rien. S'amuse à la taverne. Tu ne vois pas aller à la taverne, tu devrais aller à la cantoche, toi. Merda. J'ai peut-être trop de gardes, je pense. Mais je les paye 0, donc on s'en fout, en fait. Je les paye 8. Mais ils s'entraînent. Je paye 8 aussi. Bon. J'ai combien d'espions? J'en avais pris plein. Je les vois plus. J'avais acheté plein d'espions. Sang et sacrifice, mort et désolation. Zandar, Zandar. Hein? Mais c'est quoi cette voix? Oh, c'est C'est un. Il a pas dit Grump, il a dit Ham. Négatif. Sujet classifié. Aucune communication possible envers les intendants. C'est juste le Goldberg du quatrième étage. Ah, le Goldberg, trop bien. Le quoi? Il y a un Goldberg dans le donjon? Mais comment est-il arrivé là? C'est un démon de l'ancien monde. Il va tous nous massacrer. Non, il est bloqué. Je l'avais invoqué par erreur. Mais je l'ai enfermé avec une ruse grossière. Il faut simplement le nourrir de temps en temps pour qu'il reste calme. J'aurais pas fait comme ça. Mais je peux semer la mort et la désolation dans tes affaires. Il faut qu'on fasse quelque chose, ou sinon pas moyen d'aller dans les étages supérieurs. Sans vouloir être trop curieuse, vous êtes certain qu'il ne partira pas de là? Oui, c'est sans danger. Je lui ai jeté une malédiction qui l'empêche d'emprunter des escaliers. Et pour... Il faut prendre des escaliers. Ah oui, c'est complètement con. Maître, vous êtes génial. Un jour, j'aurai ma vengeance. Ok. C'est super, mais... Le prestige d'une salle augmente si elle est décorée. Ah! Les sbires génèrent de la réputation s'ils travaillent dans une salle répondant à leurs attentes. Mais comment je débloque le quatrième étage? Il me dit même pas comment. Aucun étage... Oui, bah oui. Faut que je mette un escalier à l'étage 2 pour aller à l'étage 3. Je veux bien, hein, même si en vrai, là, tout de suite, ça me sert à rien. Où est-ce qu'il faut que j'augmente mon prestige? J'ai l'impression que c'est ça, mais en fait, ils me le disent pas clairement. Je vais regarder dans les quêtes. Quête. Débloquer l'étage 4. Le prestige d'une salle augmente. Mais ça, il n'y a pas de lien entre les deux, en fait. Il n'y a aucun lien. Ça me dit pas comment débloquer l'étage 4. J'imagine qu'il faut que j'ai un bon prestige, mais je ne sais pas. Je sais pas.
Ouais, elle faut des thunes, Revax a tout dépensé. J'avoue, une Pont-Royal là. Tellement de places d'avance, c'est bizarre. Bah ouais, j'imagine que j'aurais dû me développer plus, mais j'avais pas besoin. Et surtout, bah ma taverne étant petite, j'ai pas assez de thunes pour me développer suffisamment, donc faut que je fasse des raids, mais les raids, ils me rapportent rien. Donc je suis un peu en galère. Stock et vente, bah là je vends des trucs. Je peux peut-être vendre plus, mais je me rends pas compte de ce que c'est en fait. Là, j'ai armement, mais... J'en mets de côté volontairement et ça me donne rien. J'en ai combien en stock? J'en ai 50, c'est ça? Stock actuel 50 sur 50. C'est censé vendre automatiquement une 40% du truc, ça ne vend pas automatiquement. Les 50 sont censés augmenter cette jauge, ça ne l'augmente pas. Je comprends rien. J'ai en vente 20. Et là maintenant je suis à 30. Je comprends rien. Et vraiment je comprends rien. Je suis censé, c'est censé vendre automatiquement une partie de mon stock, donc je suis censé jamais être à fond dans mon stock. C'est pas le cas, ça n'a pas l'air de vendre. J'ai mis 40% de vente automatique, ça ne marche pas. Et ce que je garde, c'est censé augmenter les... ça. Mais je suis toujours à zéro, alors que j'étais full en stock. J'y comprends rien du tout. Là, ça augmente, le fait d'en avoir gardé. Et là aussi, pas là. Je veux savoir pourquoi, je comprends. Garde recruté au grade 2. Bah, le truc, c'est que j'en ai déjà recruté au grade 2, même au grade 3. Je vais voir si je peux invoquer encore. Ah non. Comment J'ai toujours des zombies qui errent ici. Bah ouais, mais du coup, ils me servent à quelque chose ou pas? Eh, c'est pas limpide. Hein. Bah c'est ça, c'est ce que je me dis. L'étage 4, le truc c'est qu'il va me falloir il va me falloir de la thune pour... Ah, j'ai eu un peu de sous parce que j'ai vendu. Il va me falloir de la thune pour faire tourner tout ça. Est-ce que je peux faire un raid? Je crois que j'ai plus du tout de thunes pour déclencher des raids. Ah, j'ai plus rien, donc non. Mais est-ce que j'ai des espions? Parce que dans mes sbires, j'ai plus aucun espion. Faut que je les engage, faut que j'en rengage. T'imagines qu'ils sont partis? Recyclage. Tu veux bien faire ton travail, s'il te plaît? Je peux pas faire de recyclage. J'ai personne à recycler, en fait. Bon, attendez. Et ça, c'est quoi, VIP? Ah! Ah mais non, mais ça, c'est la meuf. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je pense qu'il faut que je recrute des espions. Recruter un espion pas cher, genre à 0€. C'est bien. C'est bien, un espion à 0€. Il va m'accumuler des sous pour faire des raids. Oh, j'ai plus de sous. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Et salut, Vinou, comment ça va? Non, mais le démon, je pense que il faudra que je lui envoie des guerriers, Féline. D'après ce que je sais de la série audio de base, le démon, il sera nourri en orientant les aventuriers vers lui. Comme ça, il bouffe les aventuriers qui viennent me faire chier. Je pense que ce sera ça. Je pense. Tu vas bien, petit Vinou? T'as fait quoi? T'as fait du Overwatch. C'était bien. Voilà, lui, il est pas content. C'est toi le patron. Ouais. Mais du coup, bah, niveau thune, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Espion 1. Ouais, j'en avais plus qu'un, je savais pas. J'en avais engagé plein. Chier. J'ai peut-être trop de gardes. Je pense que je vais virer des gardes. Garde humain, je vais en virer un. Garde elfe, j'en virerai un. Voilà. Normalement, c'est comme ça qu'on les vire, les gardes. C'est en fonction de leur machin. Ah, mais j'ai compris. J'ai compris un truc. T'as plus de casier, voilà. Du coup, ça vire de garde. Donc, ça va faire un peu de trucs, un peu de
peu de frais en moins. Je pense. Tiens d'aller sous la couette. Bon Lord Petit Frim. T'as été sur Overwatch du coup? T'as win un peu? Regardez là y'a personne, punaise y'a jamais personne ici, du coup ça s'accumule. Là aussi y'a personne, je sais pas, je comprends pas la taverne. Je comprends pas le fonctionnement de la taverne. J'ai 15 tables, mais y'a jamais personne dessus. Y'a des gens dans les meubles, au lieu d'être sur les tabourets. Y'a des gens qui font la queue, mais y'a personne qui les sert. Et y'a personne qui les sert ici non plus. J'avoue que ça m'énerve ici, ça m'énerve un peu. Ça va toi? Donc du coup bah forcément si je sers pas de clients je me fais pas de thunes hein. Puis-je vous aider? T'es viré mec. Personne qui font là que 23. Client 22 sur 22. Ça engrange des thunes j'espère ça hein. Est-ce que je peux refaire une taverne ou pas? Non. Faire une cuisine et une cantine mais pas une taverne. Celle-là, elle est forcément à cet endroit-là et c'est tout. Bien dommage. Bon bah pour débloquer l'étage 4, il faut que je décore plus, c'est ça? Je sais pas, hein, le jeu me l'a pas dit. Si je décore à l'extérieur, ça fait du prestige, mais ça coûte cher les décorations extérieures. Pas m'amuser à ça. Hein. Si je décore dans le donjon. Peut-être que je décore dans le donjon, je l'ai pas trop fait. Pas. Ah oui, tiens, je vais regarder. Ça, c'est bien pour le prestige. Est-ce que j'ai une autre relique? Non, j'en ai pas d'autre. Ah oui, je crois qu'il faut que j'achète des reliques des fois. Pour augmenter le prestige de mon donjon. Marché, c'est là, je crois. Oh, c'est cher ça. Oh, c'est beau ça! Non! Je voulais juste voir la description. Oh, je l'ai acheté, c'est plus une thune! Oh merde! Oh merde! C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh ça on le savait. Oh non, je suis au fond. Je voulais juste en fait voir la description. Oh, ça me l'a acheté direct. Bisous Kaijin. Oh je suis dans la sauce, j'ai plus 85, j'avais 885. Oh no. Et en plus ça me la donne même pas, faut que je la rachète après hein. Oh. Bon, on va vendre. Non. Stock et vente. Je vais vendre toutes mes armes là. Si je peux en vendre plus. Lui un peu. Je vends tout, j'ai pas le choix. Je gagnais ce soir, alors c'est... le jeu ce soir il a été remporté par Didi Bell qui l'a donné à Sam parce qu'il était deuxième à la course. Parce qu'on a fait du marble. Les aventuriers rêvent... Ah il y a des aventuriers. Bon bah c'est pas plus mal, s'ils se font éclater la gueule, ça me fera des sous. Ça me fera une prime. Oh je suis saoulée. Je vais boire de l'eau, tiens. Très gentil, ça part de fou. Lox la dépensière. Mais non, arrêtez. En plus, il y a 15 clics qui s'appellent comme ça. J'ai pas fait exprès. Quand j'ai pas fait exprès, ça compte pas. Ils sont où, les... Ah, j'ai une sauvegarde en cours. Ils sont où, les aventuriers? Oh là là, ils sont tous... Mais regardez. Et voilà, il y a encore la queue ici. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça que j'ai dû développer ici. C'est exactement ça qui se passait.
Moi, je suis obligée de payer tout. Entretien de la taverne coûte très cher, la taverne. Coûte très cher. Tu veux que je te torture comme ça, t'es content? Ils sont où les aventuriers là? J'ai vu qu'il y avait des aventuriers quelque part. Ben, je les vois pas. Ils arrivent où? Groupe d'ennemis arrivera à la prochaine décade. Mais j'ai pas lu aussi, c'est vrai. En vue d'un rat à l'aide! Ça va, on s'en sortira, t'inquiète. Ça compte pas pour ceux qui ont le compte. Ça compte au contraire! Bon bah je vais attendre la prochaine décade hein. On va faire en avance rapide. Faut que je vende des trucs, j'aurais pas assez. Je vais vendre un truc. Ça coûte combien elle? 36? Pourri? Le tapis? Non mais ça se vend pas. Oh chez Zangdar, on s'en fout que ce soit prestigieux chez Zangdar. Hop là, ça je vends. De toute façon, Zangdar, il sert à rien. Voilà. Juste pour pouvoir payer tout ça. Après, on m'a dit merci d'exister. Oh, trop mignon. Bah c'est bien, Didi Belt, c'est cool. Tu mérites, c'est trop bien. Quelqu'un m'appelle? C'est... On reconnaît bien la voix. Bah super, il se casse, fait chier. Renvoyé, mais non, je l'ai pas envoyé hein, du tout. Hein. C'est lui qui se barre. Hein. Bon, allez, on attend la prochaine décade. Et je vais pas faire de raid du coup. Pas de soucis Vinou, merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil déjà. Moi j'arrête très rarement avant toi, alors bon j'ai pas trop l'occasion de te rendre tes raids, donc déjà c'est très gentil d'être là. Merci beaucoup. Des gros bisous. Allez, il me faut de la moula maintenant. Ah, j'ai envie de manger un gâteau yaourt là. Toujours des envies de bouffe incongrue. Non j'ai voulu en faire un mais c'était trop tard, je me suis levé trop tard. Alors attendez, ils sont où eux? Arrivera à la prochaine décade. Bah toujours pas là. Bon, bref. Dommage, ça m'aurait fait des sous, j'aurais bien aimé. Les gens ne sont jamais servis, hein. Elle rapporte des sous cette putain de taverne ou pas? Parce qu'elle me coûte tellement cher. Ça va être une table en moins, je crois. Hein. Chaque soir, oui c'est vrai qu'on parle de bouffe tout le temps, oui c'est vrai. Des os. Bah je sais pas comment je vais me faire pour avoir des sous tant que les aventuriers sont pas là. Voilà. Non c'est pas des RH que je veux, c'est les stats. Les bruitages horribles. J'ai mute pour moi, désolé, j'ai pas mute pour vous parce que ça marche pas. D'accord. Voilà. Ça m'énerve. Voir le rapport détaillé de la compta. Mais est-ce que je... J'ai rien du coup de la taverne? Rien? Parce que là en fait je fais que payer pour ne jamais rien avoir. Hein.
Salut Rival Ghost. Gâteau yaourt avec des ananas caramélisées de ma maman. Oh, trop mignon ça avec l'ananas. C'est trop bien. Bon, je le dégomme en sortie de four, tu m'étonnes. Ah, moi, gâteau yaourt, tu coupes et je mets pâte à tartiner au milieu et après tu remets. Et c'est plutôt pas mal. Et j'avoue que j'ai bien envie de ça. Bon. Et ben, le truc, c'est que je n'ai pas du tout de revenus là. Donc je vais accélérer pour voir si j'en ai un moment. Mais je crois que la taverne ne me rapporte plus rien. Oh, plus 8. Ouf. Et j'ai plus jamais un putain de cuistot ici. Et franchement, ça me rend ouf. Je vais voir si je peux en embaucher un gratuitement. Que bah j'ai vu que j'ai pas un seul, en fait j'ai jamais un sbire qui vient ici faire des trucs, donc bah les gens ne sont jamais servis, donc c'est trop bien. Ah, enfin je me fais attaquer. Oh merci, putain, désespéré un peu, sinon j'aurais jamais de sous quoi. Là j'ai eu 60 de toute la décade, même pas. Ah oui, ils sont tous buggés aussi. C'est la dernière fois que je me suis fait attaquer, c'était buggé comme ça aussi. Oh, lui il est mort. Du coup j'aurai des cadavres, je pourrais peut-être revendre des cadavres. On va faire ça hein. Pas de se faire attaquer, mais c'est que du coup ça me fait des sous quoi. Ça justifie l'existence de mes 400 gardes là. Oh, par contre je meurs hein. Et j'ai une prime surtout, voilà. Merci Josiane. En fait, c'est vraiment ça qui me fait, qui me paye. Maître, c'est maintenant certain. L'incursion est terminée. Ah, enfin! Je vais pouvoir reprendre mes travaux. J'espère que c'est bon pour notre réputation et que la caisse nous paye bien. C'est l'avantage de l'affiliation, maître. Il faut encore renforcer les défenses. Je veux que les aventuriers souffrent cruellement, qu'on leur arrache les membres et qu'on fasse tournoyer leurs tripes dans... Affirmatif! On en fera... Oui, bah, deux secondes. Alors... Je vais me servir du nécromancien, faut bien qu'il justifie son existence, celui-ci. Si où ? Sbire. Voilà, toi. Recycle, s'il te plaît. Mais il veut pas recycler, j'ai des trucs à faire, il veut pas... Il fait rien, le nécromancien, j'en peux plus ! Eh, je comprends rien, hein. C'est des cadavres, je revends des cadavres. Le concept des boucheries, bah c'est ça. Eh, franchement, il y a un truc qui m'échappe. Enfin, je sais pas, j'imagine, hein, mais... Il y a des trucs que je comprends pas. Je comprends pas, même si j'ai pu en déduire qu'il faut que j'augmente le prestige de mon donjon pour avoir l'étage 4... En ayant de la réputation, c'est super, sauf qu'il faut que... Ah ça y est, prépare les cadavres. Attends, mais attends. Selon votre bon plaisir. Tu parles, tu tout de moi. T'es en train de me fuir, là. Ah, il m'en faut 10 comme ça, il faut que je... Oh là là, ça, il faut 10 cadavres pour un zombie. Non, mais c'est beaucoup trop cher payer le zombie, là. Pour qu'il erre dans mes couloirs et un foutre. Beaucoup de rougeur. Bon, de quoi. Bon. J'ai 1400. Attendez, on va essayer de faire un petit raid. J'ai 30. Donc je vais pouvoir faire un petit. On va y aller doucement. Hein. 20. Chasse au trésor, ça peut être bien ça. 20, rendre service. Je peux espérer gagner quoi? Gagne en réputation, plus machin en assainie. Le culte de New machin. Schéma de construction débloqué, bannière barbare. Ah ça je m'en fous ça. Ah ça je m'en fous pas mal, je préfère ça. Mais les nécromanciers ils vont me détester. Ben franchement, voilà.
Bonus de faction, mission domestique cuisinier. Ah, donc si j'envoie... Oh mais le problème c'est que mes domestiques et tout ça, et mes cuisiniers j'en ai besoin, ils font déjà pas leur taf. Mais comme le... Punaise, mais même les... Bon, j'envoyais que des soldats. En fait, les soldats ils me coûtent. Enfin, j'en ai plein. Ça va. Attendez, je vais essayer d'envoyer un domestique pour voir. 61. Mais il est niveau 5 aussi ce domestique de fou. Ici j'envoie ça, 62. Punaise, mais il faut des domestiques. Eh, ça fait chier. Ça fait chier, mais de toute façon ils font pas leur taf en fait. Je vais faire ça. Hein. Vas-y, faites des trucs. Je vais vraiment, mais je vais supprimer des soldats, ils me servent à rien. Hein. Lesquels me coûtent les plus chers? Je crois qu'ils me coûtent tous pas très très cher. Mais je vais vendre ça. Voilà. Le nulomancien, mais grave! En grève, le seul jour où il y a du taf. Mais c'est vrai que je crois qu'il y en a qui se sont barrés parce qu'ils étaient en grève, machin. Le truc, c'est que je peux même pas revendiquer. Enfin, je peux même pas accéder à leurs revendications. Toujours pas de cuistot ici. Hein. Il mange. Cette auberge, je ne comprends pas son fonctionnement. Je pète un câble. Je comprends rien. Nouvelle décade, donc j'ai des frais évidemment. La taverne n'est pas rentable. Ah bah c'est bien ce que je me dis. Comment je la rends rentable? En fait j'ai jamais un seul cuistot. J'ai jamais un seul cuistot qui y bosse. Comment je fais en sorte que mes cuistots y travaillent? Mais j'ai 4 ou 5 cuistots, il y en a pas un seul qui bosse. Je fais comment? Je comprends pas. Je comprends en management, mais c'est surtout que c'est illogique. Oh, la musique elle me saoule. Des bisous Ephrim, mon dodo. En espérant que tu dormes. En plus, ils passent par là, ils en ont rien à foutre. Non mais... Le comptoir vend de la bière tout seul? Toute seule? Je comprends pas. Il faut que je mette moins de tables? Bon, je vais peut-être vendre une table ou vendre... je sais pas. Je sais pas comment la rendre rentable. Je n'ai aucune idée de comment... Comment la gérer. En fait, vu qu'il y a jamais personne qui cuisine dans ici, ça sert à rien, quoi. C'est un scam, mais oui. Oh punaise. Oh oui, merci. Merci de faire ton taf, toi. OMG. J'ai recruté encore un cuistot humain, je pense. Il y a que 3 cuisines. Elles sont toujours toutes vides. Ah non, avec les humains qui y bossent. À chaque fois, les autres, ils y bossent pas. Parce que oui, bah ça peut pas être rentable s'il y a jamais personne qui sert. Et pourquoi il y a jamais personne derrière ce comptoir? Ça me rend dingue. On achète ça.
pas comment la rendre rentable. Cheminée. Oh, nice. Sympa en vrai. Je vais la mettre à la taverne. Non, faut que je remette l'autre. J'ai l'impression que c'est pire depuis que j'ai ça. Ah bah il est parti. Il y a des gens, ils vont s'asseoir. Mon cuistot il est déjà parti. Hein. Sinon je vais remettre l'ancien comptoir. J'ai l'impression que depuis que j'ai mis le nouveau, ça marche. Il n'y a plus rien qui marche. J'hésite, mais je crois que je vais faire ça. Hein. J'aurais voulu la mettre là, la cheminée. Je pense que je vais pas pouvoir. Voilà. Comment ça j'ai perdu des points? Ouais parce qu'elle est pas rentable. Et j'ai jamais un cuistot ici donc je peux vraiment rien y faire quoi. Comptoir simple, comptoir standard. Humain et des gobelins. Humain. Peut-être qu'il aurait fallu que j'aie deux comptoirs et le fait d'en avoir... Oh, je sais pas. Mais je pense que je vais revendre celui-là. C'est 20 d'entretien. Je vais refaire le test, hein. On va voir. Je sais pas comment la rendre rentable. Ben un barman, je peux pas en fait. Y a pas de barman. Y a cuistot et après c'est d'autres trucs. Je m'étais posé la question, barman, c'est limite le barman en fait. Y a plein de gens qui arrivent d'un coup. Ah bah là y a quelqu'un. J'avais pas de barman en fait, mais je sais pas pourquoi. Regardez, là il sert. Bah, il est peut-être bugué après le comptoir standard. Peut-être que le gars, il n'y a personne qui y va. Là, voilà. Là, ça devient rentable. Les portes sont standard ou spécifiques aux pièces? Elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes standard, c'est toutes les mêmes. Et c'est forcément des portes doubles en plus. Des fois, j'aurais bien aimé une petite porte simple, quoi. Ouais, là je fais des thunes. Ah bah c'est ce comptoir en fait. Ce comptoir il était complètement buggé. Bon, bah ça ira mieux. Maintenant qu'on sait ça. Même si du coup ça veut dire que j'aurai pas de gobelins. Alors ça, ça a marché? Let's go la défaite. Bon. Bah j'attends qu'ils reviennent. Hein. On va pas relancer une quête tout de suite. Ouais, maintenant on le sait, du coup, le 2... De... Alors, soit il y a un truc que j'ai pas compris, ce qui est possible. Vous derrière la tête. Le nécromancien qui se barre. Mais vraiment, j'en peux plus, je comprends pas. Il avait quasiment rien à foutre. Bah, je vais pas en rembaucher, hein. Quoi qu'il coûte zéro. Pour le moment, je vais pas en rembaucher, hein. Justement, il s'ennuie. Mais oui, mais si je me fais pas attaquer, je peux pas avoir de cadavre. Et lui aussi, il se barre.
Cassez-vous. Rien à foutre. De toute façon, on me servait à rien. Je veux quand même vérifier. Combien j'ai de cuistots. J'en ai 3. J'ai un espion. Bah du coup, toi, je t'ai plus. Et j'ai un seul nain au niveau de la thune. Recrutement. Ah non, c'est en recrutement, je suis bête. Pardon, sbire. 4. Ok. Ah bah non, mais j'ai mon cuistot humain. Bon, je comprends pas tout. Là, j'ai trop, là. Un garde elf. Au début de la décade. Recrute et assigne automatiquement jusqu'à un garde elf au début. Ça fait trop. En fait, mes gardes, ils me servent pas assez. Je vais avoir moins de gardes. Hein. J'ai trop de gardes, en fait. Ils me servent vraiment pas assez. Même pour les quêtes, la plupart du temps, il me faut d'autres mobs que des gardes. Donc c'est trop, quoi. Pour le ménage, faut que j'ai quelqu'un d'autre. Il va péter un câble, il va se barrer. Oh, 10 ! Oh, c'est beaucoup trop. Bonne nuit, Titi Bell ! Des gros bisous ! Un donjon à la française avec ses grèves, oui, c'est vrai. Merci. Merci pour tous tes gentils messages. Des gros bisous, merci beaucoup, beaucoup. Je vais voir si niveau information, j'en ai beaucoup ou pas. Du coup, j'ai 30 mobs sur 120. J'en ai combien ? J'ai pas fait gaffe. J'ai 27. Maximum, c'est 50 ou 100, je crois, donc je suis large. Mais je vais peut-être en vendre un petit peu. Oh là là ! Oh là là ! Bisous un thé ! Bonne soirée ! Ouais, bah pas de nécromancien pour tout de suite. Hein. Pas de nécromancien pour tout de suite. Ma taverne, elle est un peu plus rentable, je pense. Ouais, moins de personnes en queue en tout cas. Je vais regarder. Ouais. Ouais, il y a une chute libre à partir du moment où j'ai mis un comptoir qui était censé être bien. Ok, et ben je serai. Du coup, je suis niveau 10 en donjon. Donjon bidon. Mais comment je vois mon prestige ? Le prestige d'une salle, mais comment j'augmente mon... Enfin, je vois pas trop, attendez. J'ai pas une vraie vue d'ensemble, j'ai l'impression. Je sais pas comment savoir mon... Ça doit être ça mon prestige du coup, mais faut qu'il soit niveau combien pour être étage 4 ? Le jeu il me dit pas. Sur les étoiles. Ouais mais les étoiles je les vois par salle. Alors ça je le vois comme ça d'ailleurs. Ici c'est par salle. Là on est sur un truc neutre. J'avoue je pourrais l'améliorer un peu tiens. On pourrait améliorer un petit peu ça. On va passer à niveau 2. Ma petite... comme ça là. Ça je peux le mettre ici ou ici. Donc je vais mettre là avec là et je vais mettre autre chose. Genre une petite plante. Et je vais mettre un petit tapis au sol, tiens. Ici. Pour faire passer niveau 2.
Bunny, des gros bisous. L'appli de voyage. Bah, c'est TripAdvisor et pas TripAdvisor. C'est pas limpide. Vraiment, je galère un peu. J'imagine que c'est un nécromancien, je peux pas avoir le truc des cadavres qui font des... Bref. 1h45, faut dormir là, mais grave. Ah, on est lundi, c'est normal que ça se couche pas très très tard. Ça me coûte plus cher à l'entretien tout là, comment ça se fait? Entretien de la taverne, étage. Salaire. Oh, les salaires, ça va en vrai. Ça va, c'est l'entretien quoi. Ouais, j'ai pas une étoile full, mais on le voit mal aussi. Mais c'est super mal foutu. Hein. Bonne nuit, Farnalou, des bisous. Des bisous à toutes celles et ceux qui vont se coucher. Des bisous. Faut que je mette de la déco. Je vais le faire, mais... Ah, j'avais... Bah non, je peux pas, ça. C'est pas qu'il gêne, mais... Bon. Des fois je vois pas la diff donc là par exemple je suis pas 2 étoiles je crois. Camisa je crois. Je sais pas. Ah voilà, là c'est bon, j'ai eu la dernière étoile. Enfin la 2e étoile, pardon. Well, excuse. T'es sûr, on voit pas. Me, princess. Du coup, en fait, je paye en entretien plus à chaque fois que j'améliore une de mes salles, ça m'emmerde un peu. Vu comme c'est peu rentable. Je pense que je vais m'enseigner pour savoir comment être plus haut niveau. Et comment savoir son niveau et comment savoir à quel niveau il faut que je sois. Ah, c'est là. Non. Ah, c'est toutes mes notifications. Tout effacé. Voilà. Bon, est-ce que je peux lancer un raid? J'ai 37. On va essayer encore, hein. Rendre service. Bon, bah, on va essayer, hein. Faut que j'envoie des cuistots quoi. Super. Je sais pas.
Bon, j'atteins pas les 50 de toute façon. Ok. Bon, bah on va tenter ça alors. Mais les sbires génèrent de la réputation s'ils travaillent dans une salle répondant à leurs attentes. Je vais regarder les attentes des gens. Genre toi. Attente aucune. Ils ont jamais aucune attente et ils ont des salles bien mieux que ce qu'ils veulent d'habitude. Là non plus, elle est pas bien décorée. Fuck. Je m'en rends pas compte. En plus, elle est toute petite celle-là. C'est un tapis. Bien. Ici. Bah si c'est bien. Franchement c'est du 2 étoiles presque partout. Ça je peux pas faire en sorte que ce soit 2 étoiles. Ah. Elle est très bien cette salle. Ces chiottes elles sont pas tout à fait bien. On va la modifier pour que ce soit à fond. Le petit tapis magique. Voilà, là, c'est bon. Ah là c'est 3 étoiles. On est sur une salle de pause assez banger, il faut le dire. Je vais me prendre un sbire qui nettoie. Parce que je pense que j'en ai pas assez. Alors quoi que, il n'y a rien qui est sale, mais bon. Vu que l'autre elle est partie recrutement. À 4, ça va. Je recrute. 0. Alors, ici. Cette pièce. Elle est pas à 2. Je vais essayer de tout mettre à 2. Le petit tapis. J'avais déjà mis ? J'ai déjà mis un petit tapis. Je vais mettre des tableaux. Ici. On a 2 étoiles au moins. Ici. On n'est pas à 2 étoiles. Bon, si je mets 2 étoiles partout, ce sera peut-être un prestige général bien. Je sais pas comment ça marche. Ça déjà cet atelier. Oh mais y a jamais personne dedans, il me sert à rien ce truc. Ah mais c'est parce qu'il me faut un artisan nain. J'en ai plus depuis longtemps. Ah mais c'est peut-être pour ça aussi. Attendez, je vais essayer de voir si je peux en engager un. Ah si, j'en ai un depuis longtemps je crois. Je dis des bêtises. J'ai pas du tout d'artisan en fait. Ils sont tous les deux barrés. Bon. Eh ben je vais embaucher artisan nain. Oh putain. Peut-être que la salle était justement pas à ses attentes. Alors il était deg. Mettre du feu. Je trouve que c'est classe. Bonsoir Joe. T'as bien grandi ici. Alors ça a grandi mais ça s'est pas amélioré hein. Ah ça y est, c'est vrai que eux ils me font des, bah ils me font des sous en plus. Voilà, je suis niveau 2 au moins. Il y a des attentes en matière de salle. Pour la barbe de Golto, une étoile. Tirer à la taverne. Bah ils sont 2 étoiles donc c'est bien. Là on est 3 étoiles. Là on est 2 étoiles et demie. Là c'est pourri mais en même temps personne qui bosse alors ça me saoule un peu. Qui ça? Ah ils sont revenus. Ah ils sont revenus, attendez. J'avais fait un raid. Ah non, ils sont pas revenus du tout. C'est qui eux? PTDR c'est qui eux? Pourquoi ils reviennent d'un coup tous? Ils vont à la paye. Ah c'est peut-être ceux de l'ancien. De l'ancien raid. Oui ça doit être ça. La prison. Ils ont 2 étoiles et quelques. Prison prestigieuse, hein.
Nettoyage des toilettes. Ah, lesquelles? Ouais, effectivement. Celle d'en bas, c'est bon? Oui. Bon, je vais déjà essayer de me faire des thunes, hein. Ça va être ça, la prio. À 69%, c'est pas trop mal. J'aimerais bien voir mes revenus vite fait. Comment ça va, Dio? Ah ouais, tous mes gains, ça va bien mieux. Bah oui, j'avais plus rien. Un petit souci. Un petit souci de gestion de mes sbires. Bon, j'ai quand même un souci avec la manière dont fonctionne. Non, pas ça! La manière dont fonctionne le stock et revente, j'ai l'impression de devoir toujours le faire manuellement. On n'a que deux. On a 26 de renseignements. Je vais pas en vendre. Là on a 17 de ça. Non, on a 9. Mais j'ai plus de nécromanciens, je vais peut-être les vendre pour le moment. Hein. Nécromancien, il sert à feuille. Qui dégage. Salut Ténaris! Ça turnover fort ici, on est stable? Par rapport aux sbires? Bah, c'est eux qui décident quoi. J'ai un souci un petit peu. J'ai eu un souci à la taverne. J'ai changé le comptoir et bah, je faisais plus aucun. Aux démissions? Bah ouais, aux démissions. Effectivement. J'ai un souci parce que mes cuistots, bah, ils vont jamais cuisiner à la taverne. Peut-être qu'il faut que j'aie une meilleure salle, remarque. Et j'ai eu un souci avec un comptoir où bah, j'avais plus jamais personne qui venait au comptoir pour vendre. Donc il a fallu que je rechange pour le précédent comptoir et là tout de suite ça allait mieux. Donc il y a des trucs que je comprends pas. Et j'aimerais bien assigner des gens à leurs tâches, mais je peux pas. Au moins pour qu'ils aillent toujours à cette cuisine. Des trucs comme ça, mais bon. Je pense que je vais totalement virer ce deuxième truc qui ne sert à rien, même si bon, il augmente un peu le prestige de la pièce. Un petit tapis. On va essayer de passer niveau 2. Colonne. Ouais. Si je veux augmenter le prestige de la pièce, on va mettre des trucs au mur. On n'a pas trop le choix. On en fout de partout. Ok. Une petite cheminée, ça aurait été pas mal. Ça aurait été RP. À l'extérieur. Now! Dans lequel j'ai pas d'amis. Là? Ah voilà. Ah oui d'accord, mais c'est qu'on voit pas en fait quand est-ce qu'il vend, ok. Moi je pensais qu'il vendait 50% du stock total, par exemple. C'est ça que j'avais compris. Les elfes qui n'aiment pas chez moi. Ouais moi c'est, je sais pas si t'as eu ça aussi, mais du coup j'étais ultra dans la sauce à cause de la taverne. Ce comptoir là, le comptoir standard que je viens de débloquer. Quand je le mets, il n'y a plus personne qui sert à ce comptoir. Donc s'il faut embaucher quelqu'un pour, bah, j'aimerais bien le savoir, mais le jeu ne me le dit pas. Et autre truc, comment on sait quel niveau de prestige il nous faut pour avoir les tâches 4? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait un rapport de cause à effet, mais il n'explique pas.
Débloquer étage 4, le prestige d'une salle augmente si elle est décorée. Comme s'il y avait un lien, donc j'ai compris du coup, oui, il y a un lien entre l'étage, entre les nombres d'étages et le niveau qu'il faut, mais il te dit pas lequel niveau il te faut. Donc j'aimerais bien savoir. Maître. Un petit raid pour se détendre. En campagne, faut finir ton étage. Mais c'est quoi finir un étage? Comment le jeu considère qu'un étage est fini? Parce que moi j'ai débloqué le troisième étage alors que j'avais à peine entamé le deuxième. J'ai débloqué le troisième étage alors que j'ai même pas le deuxième. Et j'ai fait qu'un tout petit peu le premier. Le comptoir, fais attention à pas boucher d'entrée. Ah non, mais il y avait des gens! Mais il y avait juste personne qui servait. Ils y allaient, hein, il y avait pas de soucis. Mais en fait, bah, il y avait personne derrière le comptoir. Et l'ouverture du comptoir était en plus dans ce sens-là, donc ils pouvaient y aller. Des fois, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière le comptoir, mais en fait, non, c'était quelqu'un qui faisait la queue. Mais qui avait un peu glitch dedans. Finir ton étage en campagne de la quête. Qu'est-ce qu'on appelle finir un étage? C'est ça que je comprends pas. Ah, étape, pardon. Oui, mais finir mon étape... Mais c'est ça mon étape, en fait. Pardon, excuse-moi, j'ai mal lu. C'est ça mon étape, c'est ça que je dois faire. Je dois débloquer l'étage 4. C'est ça. Mais il m'a pas dit comment, le jeu. Donc j'imagine qu'il faut que j'augmente mon prestige, mais je sais pas jusqu'à quel niveau. Parce qu'il me l'a toujours pas dit non plus. Question de qualité de salle. Oui, mais j'aimerais bien savoir quel niveau il faut que j'aie pour ne pas surinvestir non plus. Et sur quatrième étage, ça te dit pas? Ah, sur oui, pas con. Réputation 15, d'accord. Je crois que c'était là du coup qu'il fallait que je clique. Merci. Ok, il faut que j'aie le niveau 15. Bon. Ça marche. Eh ben, ce n'est point très clair. Raid terminé. Putain, mais je fais n'importe quoi. Je fais que échouer. À 70% de chance, je n'y arrive pas. Je vais juste vendre mes trucs de raid. Soldats, ils servent tellement rien. Ils me servent à rien pour aucune de mes quêtes. Bah, j'attends que les autres viennent, on verra. Bon. Et on va améliorer tout alors. On n'est pas si loin du niveau 3. Peut-être mettre une petite cheminée ou du feu comme ça. Non, une petite cheminée, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis ça, c'est vrai. Et je mettrais bien des trucs sur les côtés. Mmh.
des colonnes. C'est bizarre en fait. Je vais dire, oh c'est beau. Après j'ai vu. J'ai pas voulu dire que c'était beau. Ouah, ça augmente que dalle. Trop pourri. Mais pas des vases. On va prendre des vases. Oh, j'en ai déjà posé, mais bon, on va voir. Bon. Niveau 3. Toi, tu cuisines et... Ah, vous êtes deux à cuisiner, mais c'est fantastique. Je n'avais jamais vu ça. Il y a deux cuistots dans cette salle. J'augmente un peu le prestige aussi de la chambre, je pense. Je peux. J'attendais de savoir si j'avais besoin de place pour des lits. Pour le moment, ça va. Oh, petite cheminée. Cheminée, c'est bien. Je vais mettre celle-là. Et je vais mettre une petite cheminée. Pas dingue, hein. Pas fou. J'ai mis des épées boucliers, machin. Non, j'ai mis... Bah non, je les avais pas encore. On va mettre là. Ça va être long. Ça va aller doucement. Ah oui, si, je mets le truc qui m'a coûté une blinde. 300. Oh, mais c'est minuscule en plus, je me suis fait chasse. J'ai vraiment acheté ça, c'est tout petit. Je pensais que ça allait être immense, c'est stylé. C'est tout petit et très décevant. Oh, je suis au plus grand désarroi. Chez Zangdar, pas besoin de prestige, le pauvre. Je vais virer plein de trucs. Parce que je m'énerve. Ah bah la couleur est jolie, ouais. Mais je l'ai acheté sans le faire exprès en plus. Bon bah voilà Zangdar, t'as un truc super cher. Content. Ça a même pas augmenté le prestige de la pièce. Ah faut qu'il soit posé. Ça augmente de que dalle et ça coûte 300. Cud. Mais c'est cud. Oh Zangdouille, tu me saoules. Zangdouille. Bon, bah, je sais pas. Où que je mette la cheminée, il n'y a pas de symétrie de toute façon. Tu veux tout plein de trucs pour toi? Voilà, au moins il est niveau 2. Oh elle est pas niveau 2, elle. On va aller step by step. Ah, mais j'ai pas de place aussi, parce que je mets plein de fourneaux, histoire qu'un jour, peut-être, mes cuistots fassent leur taf. Vu que ça n'arrive jamais, bah, j'ai des fourneaux totalement inutilisés, et du coup, bah, c'est des places de déco, en moins. Je vais mettre une torche ici. Ça marche pas. Le misclic à 800 balles, ouais, je suis dégoûtée. Et j'ai failli être en déficit, hein. À cause de ce misclic de merde. Et si ma taverne elle est plus prestigieuse? Les gens ils payent plus? Ah non, j'ai pas de place pour les accueillir de toute façon. On est d'accord qu'on peut pas agrandir l'auberge, hein, dans ce mode. On est d'accord. Ouais. Bah je vais mettre le feu bleu là. Écoutez, super cher. Non mais c'est 300 balles. C'est beaucoup trop, ça augmente de rien le prestige en plus. Augmente un peu. Ouais, pas de quoi non plus vermifuger un abribus, mais ça augmente un peu quoi. Faites là.
Non, mais il sera un peu dans le vide, ça va me saouler, ça. On y va doucement, hein. Je peux même la déplacer. Moi, je peux pas, moi. Tu vois, je peux pas. Comment je la déplace? Pourquoi je laissais ça que maintenant? Moi, je voulais l'agrandir de fou, moi. Mais je suis Keblo de fou, aussi. Attendez. Je vais voir si je peux la mettre à un autre étage. Ma Z, je peux l'agrandir. Je vais te faire une taverne. Quoi, c'est... Pourquoi c'est rouge là? Ah, parce qu'il faut pas que ça mène là. Merde. Oh là là. Attends, attends, non mais on va... On va y travailler, on va y travailler. Sinon je me sens au deuxième étage. Hein. Ouais mais là il y a personne, c'est chiant. Je mets ça là. On va faire une grande cuisine. Quelque part. À gauche. Et à droite comme ça je pourrais agrandir encore. Ok, c'est y part. Alors là, la taverne, elle va level up. Désolée de me rendre compte que maintenant, le jeu ne l'ayant pas dit, et vu que je pouvais pas en construire une ailleurs, parce que moi c'était ça que je voulais faire, en construire une ailleurs, plus grande, je pouvais pas. Du coup j'avais un peu peur de faire la moindre modif. Donc désolée. Ok, ici on va faire une cuisine. Et du coup là, la taverne... On va être un peu grande, hein. Comment ça? Pourquoi tu veux pas le jeu? Il veut pas le jeu. Arrête de faire ton frileux, le jeu a grandi, là. Voilà. On va aller step by step, c'est pas grave. T'es frileux, je comprends. Ça me fait bien plaisir, ça. Mmh. Voilà, petite déco ici, petit coin déco. Ok. Ouh, tout. Qu'est-ce que c'est que ce batacouec? Attention. J'ai pas fini. Là, faut que je valide et après je remodifie, je pense. Voilà, je prends un objet et là je peux choisir. On va mettre ça mieux. Au pire, je valide là. Faut que je fasse la cuisine vite. Il faut que j'ai des sous. Donc on va y aller doucement. On va pas être des dégènes. Faire pause. Attendez. C'est émouvant ce qui se passe. Je suis ravie. Hey, je suis ravie. Je vais tester l'autre comptoir nul. Comme ça, on va voir si... Pourquoi tu veux pas? Là, on va mettre le feu bleu. Là, un peu au milieu, genre stylé. Genre la taverne du feu bleu. Eh, Blue Fire's Tavern. Beaucoup trop stylé. Hop là. Là, je mets une table comme ça. On va pas faire un coin avec les nains, un coin avec les humains. Non, on se mélange.
On n'est pas des bêtes. Hop là, les petits buffets ici. Petit buffet frais. Oh, je les mets ici, les petits buffets frais. Non, je vais mettre... Non. Non. Là-bas, va y avoir... la cheminée. Ça va me coûter bien cher, ça va être génial. J'ai pas beaucoup de thunes. C'est nickel, ça va pas être au centre. Pas grave, je vais faire genre c'est volontaire. Donc on va mettre bien d'un côté ou bien de l'autre. Celui-ci. Voilà. Et à côté... Pas un petit géranium, mais un petit tabouret. Pour être bourré. Oh non, sinon je mets des tonales. C'est bien ça. C'est bien ça. Toi... Je mets là. C'est silence. Aïe, je me suis fait mal. Maintenant, on est parti pour l'étage resto. Franchement, ça va être ça, ouais. Franchement, ça va être ça. Non, mais je suis obligée d'y aller doucement, Ténaris, c'est aussi pour ça. J'ai pas assez de sous, je peux pas agrandir énormément d'un coup. On va être obligé d'y aller doucement. Je vais peut-être même m'arrêter là tout de suite. Et je vais garder toute cette salle-là pour continuer. Tout ce coin-là. Et ici, la cuisine. Et du coup, la cuisine, je vais aussi la déplacer. Pour ce qu'il y a à déplacer. Je vais la déplacer. Voilà. Attends le jeu. Calme-toi. Voilà. Pour le moment, on va pas la faire immense. De toute façon, on n'a pas les sous. Mais bon, on y va doucement. On peut déjà faire beaucoup. Maintenant, on aura de la place. Elle est que une étoile, par contre. J'aimerais bien la mettre deux étoiles, là. Là, elle est qu'une étoile. Mettre un truc au milieu, ici. Genre ceci. C'est super. Ah super, le jeu il est content. Hein. Petite statue de gobelin. Pas sûr que ce soit un gobelin ce machin. Oh, mais ça met du temps à augmenter, dis-donc. Vache. Petit feu de cheminée ici. Juste pour... Ah ouais, là niveau prestige c'est pas mal. Ça j'ai déjà, je crois. Je vais mettre des petits tableaux de trucs. De ça. De ci, de là, de ça. Ah oui, une torche, au moins. Au moins une. Je vais mettre quelques-unes. Pas du mal, là. J'ai plus de thunes, j'étais ambitieuse. J'ai assez de thunes. Bon, fais des revenus vite, toi. Ah, là, il y a quelqu'un, regardez. Ah, mais c'est... J'ai mis le même comptoir. J'ai mis deux comptoirs. Oh, c'est pas grave, j'ai mis deux fois le même, j'ai pas fait gaffe. J'ai un peu abusé, j'ai mis la taverne dans un étage complètement rempli, complètement vide, et j'ai agrandi sur tout l'étage direct. Ouais, mais moi, j'ai pas la thune. Je peux pas faire ça. Et je peux pas mettre un étage vide pour le moment. Parce que bah, vu que j'ai pas la thune non plus de faire des pièces autour pour mettre les toilettes, la salle de jeu, de pause et tout, comme voilà, tu connais. Et ben je préfère éviter de me lancer dans un truc où j'aurais pas la moula. Oh, je vais avoir 600 de frais.
Ouais, mais ça va engranger vachement plus de moules là. Par contre, elle est pas bien. Oh, punaise, niveau déco, c'est pas fou, hein. Mais bon, faut que je me fasse des thunes. L'important, c'est la thune. On verra le reste après. J'avais plus rien pour meubler. J'ai pas pu rajouter une table. Ah merde! Ah oui, t'avais pas prévu ça. Je vais avoir des aventures à la prochaine décade. Ok. Ok, très bien. Si je faisais peut-être un petit raid. Rendre service, c'est facile. Gagne de la réputation, vampire domestique cuisinier. 50, 100, 20, 50, 20, 20. Piège facile. Ouais, ouais, les trucs faciles, c'est bien, ça c'est parfait pour moi, ça marche super. Mécénat. Mécénariat. Bon, je vais tester ça. Mais attendez, j'ai toujours qu'un seul domestique. Bon, elle est super, hein. Mais le truc, c'est que... C'est que j'en ai qu'un. J'en embauche toujours, j'en ai toujours qu'un. Mais toujours le même, par contre. Bonus de faction vampire. J'ai pas de vampire. Taux de réussite il est trop faible. Je peux pas. Même 61, moi je perds à 70. 61 c'est dead. Mission d'espion. Bon bah si j'envoie mon espion. Ah je peux pas l'envoyer, c'est ça? Si. 28. Plus. 2. On voit un niveau 1 au niveau 2. Ou un niveau 2, ça change rien, donc je vais pas me faire chier à envoyer des niveaux 2. Bon, j'en ai plein en marque. Mais vraiment, j'ai des chances de réussite qui sont d'une nullité aberrante, quoi. Pas. On va attendre. Alors que j'embouche un peu. Pour ça, faut que j'ai des sous. Je sais ce que je vais faire, je vais vendre un peu des trucs. Bonne nuit, silence. Ouais, j'aime bien ce type de jeu. Et bah la licence, oui. C'est vrai que c'est une licence. C'est vrai, c'est vrai. J'aime un type de jeu. Enfin, j'aime bien en fait les trucs un peu... Moi, ça me fait penser à Two Point Hospital, par exemple, des trucs comme ça, et ça, j'aime bien. Mes cheveux, ils me gênent. Je vais mettre là. Mais après, j'en fais pas si souvent. J'en fais pas si souvent, mais j'aime bien. Attendez, je crois que j'ai un message. Notification. Oh non! J'en ai beau qu'à expirer. Ça dégoûte. Bon. Et toi, Tenaris, tu joues souvent? Oh mince! À des jeux comme ça? J'ai oublié de maintenir propre des trucs.
mais oui, ici aussi j'avais fait un truc de garde. Non mais je vais tellement virer des... Non mais je vais en virer. Ça va pas du tout. Ça sert à rien cette salle de garde en plus. J'hésite en fait. Ouais, j'en virerai un peu, mais pas autant que ce que j'allais faire. Deux pour le moment. Préférence pour la gestion, la simulation et les RPG. Ouais, ok, d'accord, je vois. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est des genres que j'aime bien aussi. Mais bon, je vais souvent, pour le côté gestion, je vais souvent regarder un petit peu ceux qui vont proposer un truc qui change. Ah, j'ai des sous. Attendez, je vais refaire un peu. Ou alors beaucoup de créations. Il y a des ennemis dans... Oh merde, j'ai pas fait gaffe. Mais non, il n'y a pas d'ouvrier qui risque sa vie. Ça va. Ça va. Pourquoi par contre, ils sont jamais full life alors que j'ai des pharmacies partout? Lui, il a jamais récupéré ça. Ah mais j'ai peut-être pas de pharmagicien. Il va prendre une douche. Il a perdu, du coup il va prendre une douche. Ah oui, j'ai peut-être pas de pharmagicien. Mais si, j'en ai un normalement. Ouais, je vais pas en prendre plusieurs, il a déjà pas assez à faire. Accumuler de la thune, des ressources. T'es un farmer. Bon, on s'en... Voilà, ça s'est très bien passé. On a une petite prime. Merci Josiane. Tu connais un énorme trou. Bon, on verra ce qu'on en fait de ça. Ah, ça bosse un peu ici. Alors oui, il fallait que... Ah, elle est pas niveau 2? Non. On va mettre ça niveau 2. Voilà, petit banc de pause. C'est important aussi. Alors ici, ah, ma taverne commence à avoir une gueule qui me plaît pas mal. Je vais voir pour mettre le comptoir qui sert des gobelins. On va rajouter des tables aussi avant. Pas cette table. Une petite table pour les nains ici. Hop là. Et du coup, toi, je te décale ici. Toi, je te mets là. Toi, on s'en fiche. Voilà. Et au milieu. On va mettre ça. Et on va voir. Il y aura de l'espace ici parce que là, je l'ai décalé à droite. Donc, on va voir. Et du coup, niveau prestige. Prestige, hein. Est-ce que je peux rajouter?
où je mets des tableaux, des trucs. La musique est tellement hors de contexte à de nombreux moments. J'ai envie d'une petite musique d'auberge, là. Petit truc qui nous fasse... qui me donne envie de chanter et de boire avec des gobelins. Là, j'ai une musique juste qui me dit que je suis seule dans un donjon et que je vais mourir. Et ça, hein, c'est pas sympa. C'est pas le fun. On peut pas mettre un tapis sous une cheminée. Allez, j'aime bien passer l'autre cap. Un autre truc, juste accroché quelque part. Toi, t'es le truc qui est bleu, toi. Ah, il y a quelqu'un qui est venu. Ça, on n'avait jamais vu ça. Donne-moi des thunes, toi. Ok. Je vais voir pour embaucher. Hello Gamepad. Quand tu modifies la taverne, elle arrête de servir. Du coup, plus d'argent. Si tu as pas pause. Oh, je savais pas ça. Je pensais que tant qu'on n'avait pas validé la modification, ça faisait rien. Merci beaucoup. Est-ce que je rembaucherai pas un... Oh la vache, 25 balles. Est-ce que je rembaucherai pas un nécromancien pour essayer d'accumuler de la thune grâce au cadavre? Bon, j'en ai toujours qu'un qui fait le ménage, donc j'en prends deux. Même s'il fait ça très bien, mais quand j'ai besoin, du coup, j'ai plus... Quand j'envoie en mission un gars qui fait le ménage, bah du coup je suis un peu en galère. Ah oui, j'ai plus de lui. Tiens, je prends. J'ai envie de mettre une petite musique de taverne à côté. Ah, la musique elle est oppressante. Bon, en tout cas on n'atteindra pas le niveau 15 tout de suite. Hein. Taverne, musique. Pas ambiance, musique. Je suis trompée. J'ai fait intervasse. Ah, c'est bien que ça soit moins fort. Je trouvais ça trop fort aussi, les tétitititites. Oui, mais j'en avais... Alors j'avais embauché à un moment 4 espions. Mais ils sont partis sans même que je m'en rende compte. Du coup, j'en embauche moins. Je sais même pas ce qui se passe. Mais oui, c'est vrai. Il me faudrait peut-être plus d'espions. Juste. Ça, c'est les elfes. Non, j'ai ça avec tous les mobs, moi. Avec les orques aussi, il y en a plein qui se barrent. Les humains, j'ai moins ça. Mais je l'ai aussi. Et j'ai eu aussi le coup de, du personnage qui s'entraîne jusqu'à être déprimé et mort de fatigue et puis qui s'en va. Je l'ai vu en direct. Du coup, maintenant, je vérifie que leur barre soit... Les arbres me manquent. Les arbres me manquent. J'allais plutôt faire une balade en forêt. Du coup, je vérifie maintenant. Ça me l'a pas refait depuis, mais je l'ai vraiment vu en direct. J'avais accéléré le temps pour me rendre compte.
effectivement, ça n'a pas manqué. Bien viande. Mais typiquement, mes cuisiniers orcs, ils se barrent tous. Pourquoi t'es pas content? Va te laver si tu pues. Sans corriger ça aussi. Ouais, j'espère. C'est ça, les priorités que le mob... Enfin, vu que tu peux pas lui demander d'interrompre sa... ce qu'il fait, c'est vrai que ça devient compliqué. Oh, la lumière ici est trop jolie. C'est comme si ça venait d'une fenêtre, mais il n'y a pas vraiment de fenêtre. C'est bizarre. Bon. J'ai des sous. Alors oui. Les sbires. J'ai quoi comme sbires? Voilà. Eux, j'en avais plus pendant un long moment. Ça crée des ressources, c'est bien. Eux, ça va, ils sont contents alors qu'ils ont voulu faire grève. Hein. Ils ont fait grève. Enfin, ils étaient pas contents, mais ça va. J'aimerais bien débloquer des pièges aussi. Mais bon, pour le moment, je m'en sors. Ce que je voulais... Oui, recruter un... Comment ça? Non, mais je vais peut-être me faire un petit... Ah non, pas ça. Pas ça, ça. Ah, j'ai toujours lui. Je l'ai pas vu. Il y a trop de turnover, on s'en rend même pas compte quand on... Non, j'ai plus de... Bah oui. Mais le problème, c'est que j'ai pas souvent d'attaque. Donc si je garde un bourreau, bah il s'ennuie. Les nains sont français. Oui. La principale description, c'est les nains sont chiants. Ça me fait beaucoup rire la première fois que j'ai lu ça. Ah, ça va bosser un peu. Bon, c'est cool. Ces cuisines, elles sont actives un peu tout le temps. Ça fait bien plaisir. Il manque d'affan, lui. J'ai une salle de jeu bien, hein. Je peux même l'agrandir, je fais exprès de garder un peu d'espace derrière au cas où. Mais au cas où seulement, pas déconner. On va embaucher. Mais je me fais pas assez attaquer. Donc il y a certains trucs qui, bah si je les embauche, ils sont quand même pas contents. Genre eux. Genre, ah pardon, vous voyez pas. Le bourreau, voilà. Le bourreau et le... Et les nécromanciens, bah ils ont pas assez de cadavres et de prisonniers. Enfin de prisonniers et de cadavres, donc c'est compliqué. Le bourreau se lâche en nuit des drôles. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Bon, j'en recrute un Jack. Allez, allez, j'ai pas peur, j'en recrute de tout. Et on va faire un raid. J'attends qu'ils arrivent, ceux que j'ai embauchés. Ça a l'air d'arriver tranquillou. Construction. Prison. Ah, cellule pour elf. Ah bah oui, j'en avais pas. Franchement, qu'est-ce que j'emmerde à faire une porte ici qui sert à rien. Je vais tellement modifier ça. Voilà. D'accord. Les petits raids, je disais. On ramène des fois des prisonniers, des raids, je pense pas. Le scénario, mais c'est 100. C'est très cher. Ah, il est en prison. Bah zut. Intermédiaire. Il me faut vraiment que des faciles. Pour le moment, je peux rien faire de difficile.
peux... Garde. Allez, let's go. Avant, j'avais un garde niveau 3 ou 4. Je sais plus, il était niveau vachement haut. Mais il est plus là. Je crois qu'il est dead. C'est loser. Non, je crois que je l'ai viré peut-être sans faire exprès. Ça, c'est bien dommage aussi. Possible. C'est vrai que bonus de faction elfe et troll, ça n'a pas de sens. Ah bah oui, si, remarque, peut-être. En vrai, peut-être. En vrai, peut-être pour qu'il les mange. Bon. Ah, j'ai ma VOD qui tourne encore. Je vais arrêter la VOD ici, c'était la présentation de la suite du jeu. Je te fais des bisous VOD. Moi, je continue. Bye bye.